Depuis sa création en novembre 2001, plus de 500 affaires ont été portées devant la Cour. Et parmi les 500 dossiers, plus de 300 affaires ont été clôturées et autour de 150 affaires sont en cours. La Cour a mis en place des sous-greffes au niveau de chaque pays partenaire et dans le cadre de faciliter la population d'accéder à la justice. C'est-à-dire qu'au niveau de tous les États membres, la population n'a pas besoin de se rendre à Arusha. La population peut porter une affaire au niveau des sous-greffes et dès que l'affaire est enregistrée au niveau des sous-greffes qui est ici au niveau des cours suprêmes, l'affaire est déjà enregistrée à Arusha au niveau du siège de la Cour. Pendant la période de la pandémie de COVID-19, la Cour a continué de mener ses audiences et a prononcé ses jugements sous les sessions virtuelles. C'est-à-dire que la Cour a continué à fonctionner parce que la Cour n'a pas fermé ses portes et a continué à fonctionner suivant les sessions virtuelles.